Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Stellar Blade, où nous avions découvert la ville de Zion. Xion, on s'en fout. On avait fait beaucoup de lore, on avait récupéré notre tenue de précommande. Et on va... Alors, on avait ici maintenant une carte de disponible avec beaucoup de quêtes à faire. Beaucoup de missions à faire pour les gens. On va peut-être aller chercher les dernières quêtes qui nous manquent et on va ensuite aller dans les terres désolées et on fera un peu toutes les quêtes qu'on peut faire dans la ville à notre retour. Tu dois être l'ange. Bon, c'est pas moi. Aurais-tu quelques minutes à m'accorder? Ça dépend, tu me payes comment? Qu'y a-t-il? Habituellement, je ne demande pas à une étrangère de régler des problèmes de sentinelle, mais je m'inquiète pour mes compagnons, mais je ne peux envoyer personne à leur recherche. Ça, c'est pas dangereux où je suis. Que s'est-il passé? Comme tu le sais, les Nightiba sont imprévisibles. Non. Découvrir un nouveau variant n'est pas un problème, tant qu'on peut le gérer. Ce variant en particulier est apparu dans les terres désolées, donc on a essayé de garder un œil dessus. Mais l'une de mes équipes d'éclaireurs n'est pas encore rentrée à action. Un nouveau variant, tu dis? Oui, un monstre extraordinaire. Son cou et ses épaules ont évolué pour se transformer en arme. Je t'envoie les coordonnées. Il y a un entrepôt de pétrole abandonné dans un coin reculé des terres désolées. La zone était gardée par les éclaireurs. Tu veux que je retrouve ces sentinelles? Oui, merci. D'accord. On va aller faire ça. L'autre. C'est juste là. Pas loin. Et ensuite, on pourra y aller. Hop là, c'est ce monsieur. Moi aussi j'aurais fait ça. Ah, est-ce qu'on va pouvoir changer notre coupe de cheveux? On pourra faire encore plus de ce qu'on fait déjà. D'accord. Salut. Oh, c'est toi. Comment ça, ennuyant? Oh, tu m'as entendu. Même désolé si je t'ai offensé, l'ange. Je ne cherchais pas d'excuses. Je voulais juste savoir pourquoi tu as dit ça. Quel est cet endroit? Voici ma boutique, le salon de coiffure de Gwen. Je suis Kassim, le coiffeur. Coiffeur. Je coiffe les cheveux pour que les gens se sentent mieux. Les tiens sont beaux, ils ont du potentiel. Mais ce potentiel a besoin d'être révélé. Là, ils sont ternes. Vraiment? Tu peux vraiment rendre ma coupe moins ennuyante? Bien sûr. Mais je n'ai pas les bons outils pour le moment. Ces soi-disant recycleurs les ont volés. Je ne peux pas faire tourner ma boutique sans mes outils. Mais ils les ont probablement juste jetés. Ces outils n'ont pas de valeur pour eux. Jetés? Où ça? Ce genre de choses finit généralement dans la décharge des terres désolées. D'accord. Je vais les chercher. En échange, tu me coifferas. Ça me convient. Il me manque 3 outils. Des ciseaux, un sèche-cheveux et un lisseur. Compris. J'attendrai ici, l'ange. Ok. Oups. Ah, je vais réussir à sortir. Talila Lula, et ben on est parti. Allons faire les Kate. On peut descendre là. Y'a quoi hein? J'ai pas vu ça.
Elle a un peu des tendances suicidaires quand même. Hein. On peut descendre là pour voir des jouets. Pas le temps de jouer. On avait aussi récupéré des tenues. Et ça, c'est cool. Il faut qu'on aille voir le deuxième marchand pour lui acheter plein d'objets. Pour qu'on puisse acheter des nouvelles tenues, certainement. Mais pour ça, il nous faut des vides coins. On a tout gaspillé en tenues. Il n'y en a pas toutes les tenues qu'on pouvait acheter. Donc, plus de tenues. Est-ce qu'on peut aller là? Il y a des trucs... Il y a un coffre là-dedans. Non? Même pas un petit coffre? Oh, je suis déçu. Watashiwa déçu né. Bon. Allez, allons dans les terres désolées. Voyons à quoi ça ressemble. Nous, il nous faudrait le vaisseau pour qu'on puisse retourner au début du jeu. C'est un désert. Les sables solitaires s'étendent au loin. C'est la terre la plus vaste que j'ai jamais vue de ma vie. Pourtant, le danger s'y cache dans tous les recoins. Attention où tu mets les pieds. Si tu trébuches, tu pourrais tomber dans les bras de la mort. Très bien. J'ai entré les coordonnées scannées du plateau Le Voir. On peut y aller. Ah, on a un TP juste ici, très bien. Alors, on rappelle aussi qu'on a récupéré le fusil. Et on peut changer de munitions. Au moment, nous n'avons que 5 balles, malheureusement. C'est pas non plus énorme. Alors, au niveau... Mission en cours, ok. Une tour solaire, ok. Une carte ici. Et d'accord, donc on a beaucoup de choses à faire ici. La décharge, emplacement, ok. Alors on va déjà les débloquer. Ceci. Ah oui, donc si on n'active pas les camps, on garde des vides coins. Il n'y a pas d'électricité dans le camp. Hein? Voyons. On dirait qu'une bonne partie de l'électricité du camp provient des zones aux alentours. Il doit y avoir un problème sur le réseau d'approvisionnement. Ah. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça va être compliqué. On va activer les tours solaires, c'est ça? En dehors de Xion, il y a une tour solaire. Alimente les constructions proches. On dirait qu'il y a une sorte de problème avec la tour. Nous allons devoir y aller et vérifier ça. Mais... Initialisation. C'est ça que je voulais faire. La tour solaire, c'est bien là-bas. Hein. Et en avant. Alors j'ai envie de voir si ça fait beaucoup de dégâts. Ouais, ça fait pas grand chose. Un sanglier. Alors maintenant, ce que j'aimerais bien savoir, c'est à quel point on trouve des balles. Et là, je l'ai utilisé pour tester. Est-ce qu'on trouve souvent des balles ou quoi? Est-ce qu'il faut utiliser des ressources pour les construire? Donc là maintenant on a un sprint plus rapide. Okay. On pourra aller là.
Une zone où on peut descendre. Ça, on pourra revenir par là, d'accord. Donc c'est absolument pas par là. Ah oui, d'accord, ok, je vois le passage. Très bien. Donc c'est par là. Ok, tout se passe bien. Tout se passe selon le plan. C'est-à-dire le plan de se faire bolosser le cul. C'est quoi ce machin hein? On ne sait pas. Alors. C'est par là, on le sait. Hein. J'ai fait les touches. Hein. Encore une fois, c'est bizarre ça. Je fais avant et rond et ça le fait pas. Hmm. Ça m'ennuie de pas y arriver. Mais on est d'accord que là j'active le camp, il va pas s'activer, on est d'accord. Il va s'activer après. J'ai pas perdu mes pièces. Ah, ils se défendent. Intéressant. Aïe, 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 aïe. Ok. Wow. Il a quand même des sacrées allonges. Isaligova. Tu n'es pas lâche. Ne te mets pas ce genre de sottise dans la tête. Si tu te dis ça juste une fois, je te botte le cul. Ce n'est pas de ta faute. On ne devient pas recycleur du jour au lendemain. L'endurance, l'infiltration, la survie, l'écologie, le terrain, la stratégie, et bien plus encore. Les recycleurs doivent maîtriser beaucoup de paramètres pour survivre. Ouvre les yeux et prends-en de la graine. Là, on est bien. Ok, c'est tout par là. Allez, ça dégage. Il est rapide, lui. Ça dégage. Un marcassin. Et
Là-bas, il y en a trois marcassins. Un cochon. La tour est juste là. La bêta a l'air de bien fonctionner sur les sangliers. Ça leur fait quand même pas mal de dégâts, surtout si on enlève les boucliers. Faire. Ça n'est pas le bon plan d'aller par là. Une mare dans une goutte. Tout à fait. Un havre de paix dans les terres désolées. Personne pour fouiner dans les déchets à la recherche du moindre objet utile. Près de réjouissement de Naitiba. J'ai cherché cet endroit toute ma vie. Des vignes, du raisin et une mare. J'aimerais me trouver là-bas. André, dernier souffle. Ça, c'est la ferme solaire, ok. On peut descendre là. Alors, on pourra pas remonter, mais c'est pas très grave. Il y a un truc verrouillé, on pourrait aller là ensuite. J'ai envie de faire ça. Mais si on pourra remonter, qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Ouais, ça c'est pas cassable, ok. Donc on pourrait utiliser ces caisses pour remonter. Là maintenant on peut l'ouvrir. Euphorie du pilote. Ok. On a 4 SP. Et là, il y a un robot qui tient ça. Je sais pas pourquoi il est là, lui. Oh! Ah, bah voilà. Ça débloque le pont. Donc c'était là qu'on pouvait descendre. Merci. Je peux m'agripper à ça, c'est sûr. Mais mon perso veut pas aller sur la gauche parce qu'il n'y a pas de... Peut-être pas pour tout de suite, hein. Peut-être pas encore le pouvoir pour aller là. Hein. Enfin, peut-être un grappin ou une connerie comme ça. Hein.
Bon, on a débloqué ici le pont. Enfin, le pont. C'est pas non plus un super pont, quoi, mais un passage. Hey. Hop, on est à la ferme solaire. Et après on pourra réactiver les camps. D'abord réactiver les camps avant d'aller dans cette grotte. Est-ce qu'on a des trucs? Oui, on peut ouvrir ça. Alors, on peut... Ok. On peut pousser ça. Alors, où est-ce qu'ils ont envie qu'on le mette? On a l'air de pouvoir monter là. Peut-être avec cette caisse. Sûrement même. On va d'abord abattre ces petites merdes. Ah oui, pour tout ça, il faut du courant, je parie. J'arrive pas à les prendre à revers. Va démarrer la tour solaire, ce n'est pas facile. Une mission suicide. Vous allez quand même y aller. Bah oui. Je vais juste mettre la caisse ici. C'est marrant qu'ils aient mis un deuxième sprint dans les terres sauvages comme ça. Pas la bonne touche. Oui, d'accord. Je vais pas aller plus vite que ça. Hein. Avec sa... Il se balade avec son aspirateur. On va faire toutes les terres désolées avec ça. Comme ça, si jamais on a besoin d'une caisse, on aura toujours une sur nous. Okay. Est-ce que ça suffit? Vas-y, ça suffit. Elle tient pas, elle met pas les bras aussi. La tour solaire. On dirait bien que je l'ai trouvée. Je vois un drone. Il pourra peut-être nous expliquer la situation. Les panneaux solaires ont pas l'air en super forme. Bip bip. Et le coyote. Bonjour. Je suis service 001, drone de service standard. Aide de l'administrateur demandée. Erreur dans la tour solaire Orca A091078CQ. Séquence de réinitialisation. Échec. Défaillance de la couverture. Aide de l'administrateur demandée. L'erreur ne peut être résolue par les fonctionnalités actuelles du drone. Arrêt de l'alimentation des complexes proches. Camp de ravitaillement inactif. Confirmation de l'administrateur requise. Attends, je comprends pas ce que tu racontes. Personne ne comprend rien. Tu veux dire que la protection de la tour solaire est abîmée? Je suis désolée. Drone de service. Capacité de communication limitée. Couverture. Confirmation de l'administrateur requise.
Résolvez l'erreur au plus vite. D'accord. Les indices. Il y a un petit sourire. Que c'est une référence à Hal. Alors, là on pourra monter dessus. Ok. Alors pourquoi il y a... Ah oui, d'accord. Et si jamais tu te loupes ou pour redescendre, d'accord. Ok. Bon, pour le moment... On est sur un jeu à l'Assassin's Creed, hein. On monte une tour. Est-ce que c'est un de plus ? Certainement. Vous connaissez mon talent sur les jeux de plateforme. Hein. Après celui-là, ça va, elle a l'air de bien bouger. Le perso, il a quand même l'air de bien bouger. Alors... D'accord. Exospine, camouflage. Et quoi là-bas ? Merde d'avoir un truc. Déjà réactiver ça. Erreur système. Reboot échoué. Il doit y avoir un problème avec l'installation. Il n'a pas sauté. On va pas redescendre. On n'a pas fini. Pourquoi elle saute pas ? Michelinette. Bah voilà. Mais attends, c'est... On dirait que le drone de service est coincé dans les débris. Je crois qu'il essayait de me dire de sauver ce drone. Il n'a pas sauté, hein. Voilà. Femme. Attention en dessous. Aïe. Ah, il y avait quelqu'un qui passait. Merci, administrateur. Merci. La maintenance du système peut reprendre. Bien. Au moins le drone est intact. Hop là. Ok. Système intégralement prêt. Quel talent. Rappelle que ces tours détruisent la Terre. Hein. C'est ce qu'ils nous ont dit. Est-ce que ça a résolu le problème ? Je vais devoir vérifier. Yes !
Je nous le dis. Ok. Merci. Tour solaire réinitialisée avec succès. Alimentation rétablie. Statut opérationnel. Merci infiniment, administrateur. Meilleur administrateur. Meilleur administrateur du mois. Ça va. Sais-tu au moins ce que veut dire administrateur du mois? L'administrateur du mois est le meilleur administrateur du mois. Statut de la tour solaire. Normal. Fonctionnalité. Activé. Reprise de la maintenance. Génial. On devrait pouvoir utiliser le camp maintenant. Ces choses. Enfin, les drones. Tu sais depuis combien de temps ils protègent cette tour? Je l'ignore. Mais je suis sûr qu'ils continueront à la protéger jusqu'à ce que l'énergie s'épuise. Mission complète! Ah, d'accord, ça nous donne pas mal de trucs. Bon, on a 6 SP à dépenser. Je peux toujours pas aller là. Et donc ça maintenant on peut les utiliser ou pas, hein, ces ordinateurs là. Ok. Un d'activer. Deux d'activer. Réactiver celui-là. Le troisième est bien là-haut. Donc on doit pouvoir y aller. C'est sûr. Alors, je vais la mettre beaucoup près. Est-ce qu'il y a un double saut ? Il n'y a pas l'air, hein. Il y a un double saut. Ok, il y a un double saut. Donc il faut désactiver le double saut pour aller là. Compris. Ce qui est bien, c'est que pour apprendre les compétences, on n'est pas obligé de se reposer. En théorie. Waouh! Waouh! Forcément. Ah voilà, il y a une caisse au moins ici. On a au moins une. Plusieurs choses dans l'eau. Allez hop, on y va. Hello. Pas les mots de passe. Jour de pluie. Oh. Nouveau vêtement pour Lily.
C'est joli, qu'est-ce que c'est? On va certainement devoir y aller après. Ça brille. On aura certainement l'occasion de revenir ici. Bon, on monte par contre. Allez. Oui. Je repars commande ici. On va voir si on peut aller débloquer le double saut. Parce que ça ferait plaisir. Et donc, là on me dit... C'est pas du tout ça que je voulais faire. Là on me dit que je peux aller ici. Donc ça met quoi? On va la laisser pour le moment en Artemis. Ah oui, donc il y a peut-être des endroits au début du jeu que je pouvais pas atteindre parce que j'avais pas le double saut. Également. J'ai appuyé sur croix. Ok. Peut-être pas se suicider encore, hein. J'aimerais bien ne pas réinitialiser les mobs. Après, il n'y a pas beaucoup de chemin à faire, ça va. Au niveau des techniques. J'ai pas le droit. Nous n'avons pas encore le droit à cette chompétence. La charge d'énergie bêta lors d'une attaque qui blesse un ennemi. Ça, ça me va. Plus d'énergie bêta lorsqu'une attaque blesse un ennemi, plus efficace que la recharge bêta. Charge bêta inconsommée. Augmente la puissance du dernier coup de certains enchaînements offensifs. Augmente les dégâts infligés et étourdit l'ennemi. Ouais, ok. On va l'acheter tout de suite, ça. Récupérer plus d'énergie bêta en cas d'embuscade ou d'agression réussie. Vous pouvez utiliser cette compétence après avoir vaincu un ennemi en embuscade ou en agression. Ah oui, ça oui. Ça peut être pas mal. Mais parce que maintenant, quand on va avoir deux ennemis en... On va faire l'assassiner deux... On pourra assassiner deux ennemis en une seule fois. Alors... Euphorie du pilote. On peut la faire. On va la faire. Ah mais c'est celle du capitaine là. Non, j'ai pas assez de polymère avancé. Améliorer au maximum. Pour améliorer celle-ci. En cas d'exécution réussie, augmente de 17,5% la puissance des attaques au corps à corps pendant 10 secondes. Restaure 15% en cas d'exécution. C'est pas mal ça. Ok. Donc on n'a pas le double saut, donc ça sert à rien de retourner là-bas. Un robot. Gazette de Xion. De nombreux anges de la colonie ont été repérés. Quel est leur objectif? Le fanatisme et la méfiance ne peuvent être tolérés. Xion doit maintenir son autorité et tout surveiller. D'après les sentinelles, les anges sont descendus de la colonie et ont été
repéré à Xion. Ils ont mené de nombreuses opérations au fil des années, mais c'est la première fois que qu'ils sont actifs au sein de Xion. Les anges possèdent une puissance qualifiée de surhumaine, comparable à celle d'un bataillon entier de guerriers. Mais leurs antécédents de combattants sont inconnus. Certains estiment qu'ils sont enfermés dans une boucle d'échecs et de victoires stratégiques. Problème, le prophète a demandé qu'ils soient traités de manière rationnelle. Xion n'a pas été choisi comme colonie, mais nous devons oublier nos vieilles rancunes et les considérer comme nos égaux. Certains extrémistes affirment que les anges sont probablement hostiles ou qu'ils ont l'incarnation de la matriarche. Nous devons néanmoins faire preuve de civisme. D'accord. On a des nouvelles tenues. Alors, on est d'accord que j'ai pas récupéré de balles. Est-ce que c'est en se reposant qu'on récupère des balles ? On va voir ça. Non. D'accord. Donc c'est pas comme ça qu'on récupère des balles. Il va falloir qu'on trouve comment on récupère des balles. Ouais, donc ça c'était la tenue de la commandante Tashi, je crois. Voilà, là on a des talons. Et l'autre, elle a des talons ou pas? Encore une fois, elle marche sur la pointe des pieds. Alors ça, il faudra qu'on m'explique. Hein. Ça doit faire mal aux... Ça doit faire mal aux orteils. Après, je suis pas une femme, donc... Vous allez me dire... Ouais, donc là, on me dit qu'il est actif maintenant. Ok. Ah bah c'est juste là. Alors, par contre, non. J'aimerais bien que tu la mettes en actif. Et donc ce serait par là. Ok. Je vais voir deux sangliers. Ok. Un humain ici. Mes jambes, mes muscles ne répondent plus. Je ne peux pas. Je peux encore avancer, mais je ne suis plus très loin de Xion. Merde. Je ne sens plus ma jambe. Je ne veux pas mourir. J'ai tellement peur. Bon, il était vraiment pas très loin. C'est absolument pas ce que je voulais que tu fasses, grand-mère. Ok, 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 ok. Pas dans le couloir, pas dans le couloir, pas dans le couloir. Ok. Ok. Dans un de ces jeux où il faut pas se battre dans les couloirs. Téléphone. Nice. Petit point de TP.
Ok. T'as pu le fight ça. Oula. Je vais se mettre là. Ok. Ok. On te connaît déjà toi. Oh bordel. J'aimerais bien. Ok. Ah. Je peux m'enlever, merci. Très bien, pouvoir esquiver. J'appuie sur la touche. Dégage, dégage, dégage. J'aimerais bien. Pourquoi je peux pas partir sur la gauche comme je le demande? Lui. Eh ben, il y avait du monde, dites-moi. Ok, c'était que de l'XP, hein. Et la petite boîte. Type impact. Ok. Ok, ça sentait le combat et il y a eu un combat. La deuxième est là-bas, hein, juste à côté du soin. On me demande de récupérer aussi une là. Ah, j'ai payé pour pas avoir à faire un combat en plus, c'est ça? Nice. Ok, donc il va falloir fouiller un peu partout aussi pour trouver les téléphones cachés. Voilà, comme par exemple celui-là. Celui-là. Et alors, plein de petits TP à droite à gauche. Ok, c'est noté. Je l'avais pas vu. Je passais là tout à l'heure et je l'ai pas vu. Elle est. Oui, bonjour. La ferme imbécile, je t'ai dit... j'ai dit que je n'avais pas besoin de la matriarche. Reste à mes côtés pendant que je crève. Reste près de moi. Je ne veux pas la matriarche, c'est toi que je veux. Tu restes près de moi. La mort ne me fait plus peur. Ok. Apparemment, j'ai débloqué un truc dans un certain pourcentage. Là, il y a une caisse. Ok.
casser ça. Il y a un ennemi dedans. Saloperie. Ok. Je crois voir la cellule à fusion, mais je suis pas sûr. Ouais. Là, il y a le camp qui est juste là. On en a pas besoin. Pour l'instant, on va aller là. Ah bah, c'est lui qui l'a. Très bien. Les seules formes de trois sont des Nighty. Il a l'air déçu. C'est une catastrophe que l'humanité s'est infligée à elle-même. Ok, alors là, il y a l'air d'avoir plein de choses à faire. Mais on va d'abord avancer sur la quête principale. On va aller jusqu'au moment où on récupère le vaisseau. On va certainement le récupérer un moment. Parce que ça va m'être utile, parce que je voudrais bien finir Eidos 7 avant. Ou alors j'attends d'avoir le double saut. C'est peut-être pas con non plus. Hein. L'esquive, le problème de l'esquive, même l'esquive parfaite, s'il est en enchaînement, et tu enchaînes pas les esquives parfaites, tu te prends les autres coups. Ah. Oh ! Nous ne pouvons pas nous arrêter, seule la mort nous attend ici. Nous devons arriver à Xion avant qu'il fasse jour. Merde, le soleil se lève. Ça, c'est bien qu'ils attendent que tu aies fini le texte pour attaquer les monstres. C'est un truc que j'avais critiqué dans Lord of Fallen. Qui, des fois, tu étais en train d'écouter un dialogue. Et les monstres, ils te cassaient le huc. Et c'est relativement chiant. De pas pouvoir écouter ou lire l'histoire. Parce qu'il y a des monstres qui t'arrivent dans le dos après que tu aies lancé le dialogue. Vous êtes arrivé, hein, ça dans Lord of Fallen, c'est pour ça que j'en parle. Là, il y a l'air d'avoir trop rien. Un humain ici. Le voyage vers l'ascenseur orbital a débuté il y a 42 jours précisément. J'ai l'impression qu'il est sous mes yeux. Et pourtant, il est impossible de l'atteindre. Moi aussi, je veux aller dans l'espace. Bah, c'est gros un ascenseur orbital. Ah oui, on n'a pas du tout fait cette zone-là encore. Ah ouais, c'est grand quand même. C'est une très grande zone. Une canette. C'est important pour plus tard, les canettes. Lily, c'est quoi ça? C'est très étrange. Oh, une canette. Avant, c'était un conteneur de stockage pour électrolyte. Une canette. C'est sympa. Je peux lire tout un tas de données avec ça. C'est pas grand-chose. Je sens encore des restes de souvenirs. C'est une description ou une publicité pour de l'électrolyte.
c'est vraiment marrant que tu t'intéresses à de vieux objets. Eh bien, elles ont un certain charme. Mais si ça t'inquiète tant, je pourrais te fabriquer une vitrine pour les ranger. D'accord, alors. Tant que c'est pas une corvée pour toi. Oh, c'est du gâteau pour la seule et unique Lily Artemis. Je vais la préparer tout de suite. Faisons une collection ensemble. Merci, Lily. Ah, les canettes. Ça y est, on aura notre petit pupitre à canettes. Oh, c'est un cul-de-sac. Sur le mur. Ah ouais, approcher d'un mur marqué pour courir sur le mur. Appuyez sur X. Je pense que vous courez pour prendre une impulsion et sauter. Ça va exploser. Et voilà, ça devient. Waouh, tu te déplaces bien, mais pas aussi bien que moi. Mirror's Edge. Pas aussi bien que le drone, tu veux dire. Ça devient Mirror's Edge. Allez. Trap Plains. Voilà, le petit con ici. Ah, on peut construire quelque chose. Est-ce que c'est la dernière tenue? Non, c'est améliorer les exospines. Il manque quoi pour améliorer ça là? Enfin, pour construire des polymères extrêmes. D'accord. Hop, nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.